Allô? Alors attention, musique et tout d'un coup. Voilà, musique. C'est incroyable ça quand même. Je comprends pas pourquoi ils aient fait ça. Hein. Ce moment de la musique, c'est dans le menu principal quoi. Et un peu quand tu combats bah, juste les boss en fait. Sinon après, y a pas de musique dans le jeu. Enfin bon. Allez, on se continue ça. Du coup, on s'est arrêté au village des zombies, un peu flippant d'ailleurs. Shake Will, Doing Cold, je le sais. Ah, là, je me suis. Ah, je me réveille là. Je me réveille là. Ok. Alors, juste 2 secondes. Hop. J'ouvre mon café. Hop! Ah, c'est tellement bon. Allez. Alors, voyons voir ce que j'ai sur moi. Putain, ça y est, mon chat, il est en mode connard. Toujours au moment où il faut pas. Hein. Alors, j'ai ça. Ah, mais ça, je peux pas encore. Ah, ouais, mais ça, faut battre l'espèce de nana. Alors, l'espèce de gros boss femme. T'es un peu chaud quand même, hein. Fragment de titanite. J'ai des écailles et tout. Ça, par contre, je vais pas les mettre encore. Ah oui, en arme, j'ai ça, c'est vrai, exact. Ah, c'est vrai que j'ai pris le katana. Mais le katana, le cat effet supplémentaire. C'est ça qui est chelou parce que le katana. Alors attendez, j'essaye de comprendre. Bah de toute façon, la hache fait plus de dégâts physiques. Et elle a une plus grande durabilité. Et elle a plus puissance de garde au feu, machin et tout. Bon, ça, je comprends pas trop. Mais la mienne, en fait. Enfin, le katana. Le katana, quoi, en fait, j'ai un effet supplémentaire de 33. Alors, je sais pas ce que c'est. Tiens, on va voir. On va voir tout de suite ce que c'est. La puissance de l'effet de saignement. Plus cette valeur est élevée, plus l'hémorragie survit rapidement. Oui, donc les. Donc d'accord, ils sont. Donc du coup, ils auront une hémorragie, quoi. Donc du coup, ils vont saigner, ils vont perdre de la vie au fur et à mesure. Ça, c'est cool. E, D. Alors, par contre, ils sont marrants. A, B, C, D, E. Bah, logiquement, elle est mieux alors en bonus. Si je prends le principe des lettres, normalement S c'est le summum, je crois. Niveau d'amélioration de la puissance d'attaque, ouais. Je pense que ça doit être ça. Bon, on va essayer au pire, de toute façon, avec le katana. Ça ne coûte rien. Mais les attaques, elles sont assez lentes, c'est assez spécial comme. Peut-être à demain, tiens. À demain, c'est peut-être plus rapide. Voyons voir avec le bouclier. Je suis pas sûr. Ah, quoique, un poil peut-être. Un poil, bon. Allez, où? Ah ouais, du coup, ouais, je suis obligé de tout me refaire. Putain, j'espère que le. L'espèce de prêtre là ne va pas repoper. Ah. Oh putain. Si vous aimez le café froid, je vous recommande de boire le Café Royal Double Fat. Ce café est super bon, on le retrouve dans le rayon frais. C'est pas de la pub, hein. Mais non, franchement, c'est super bon, j'en prends à chaque fois que j'en vois. C'est tellement du café bien corsé, quoi. Et le double fat. Le double fat, c'est double crème. Allez! Alors, du coup, ils ont repopé. Ah oui, il y a le chien et tout. C'est marrant. Bon, on va refermer ce portail.
Alors je suis pas en un coup avec celle-là, ce qui est sûr hein, de toute façon. Par contre je les enchaîne. Bon pour l'instant ça va, elle est pas mauvaise comme arme, elle est pas non plus ouf. J'hésite encore hein, de l'utiliser vraiment, quoique là je vais essayer de voir. Ah oui mais c'est vrai que je peux l'équiper quand même. Parce que je suis encore à 57%, est-ce que je peux équiper la... Et du coup j'ai passé à 60. Normalement c'est bon. Ah non c'est bon. Putain ivoirien. Faut que j'achète la torche que j'avais vue là la dernière fois. Ah il est là le machin. Ok. Salut Jata, ça va? Ah non, c'est... La hache est quand même mieux que le katana. Hein. Le katana a des bonus de saignement mais bon... Cette hache est quand même meilleure. On va garder la hache. Ah faut vraiment que j'achète une putain de torche. Ça me saoule le noir là. Merde. On n'y voit pas grand chose. Et il me semble qu'il y a encore un monstre ici. C'est pas ça là? Non. Alors voyons voir. Putain il est encore là quoi! En fait tu le tues mais il repop quoi, c'est un ennemi normal. Fait chier ça putain. Ce gros monstre. Bon du coup on va passer par là. Ah tiens. Ah mais ça j'avais pas vu ça en plus. Première fois qu'on est arrivé j'avais pas vu ça. La poudre de réparation. Tiens donc. La poudre de Perling Pemping. Est-ce que je peux aller là? Ça va être un peu risqué quand même. On va prendre l'escalier, ça va être plus sûr. Il y a un ennemi par là. Il me semblait qu'il y avait des ennemis là. Si tiens. Voilà. Ouais, je fais du dégât quand même avec cette hache. Hein. Elle est bien cette hache, je vais la garder. Du coup, je vais enlever le katana. Je vais enlever le katana. Voilà. Ça sert à rien. Je vais me servir de ma hache. Merde, putain, il est tombé d'où, lui? Oh là là, ça me saoule, le Twitch de la Xbox One. Une erreur est survenue durant la diffusion. Essayez de baisser la qualité de diffusion. Certainement pas, hors de question. Tu te fous de ma gueule. Tu te démerdes. Et puis dans quelques instants, il va te dire tout est ok. Tout va bien. Voilà, tout va bien. Petit village. Ah oui, on était par là-bas, nous. Alors, je sais pas vraiment où on doit aller. Mais on va bien voir. Alors, du coup... Putain, fait chier, ça. Fait chier, le gros, là. Je m'en fous des autres, mais... Un os de Loretta? Qu'est-ce que c'est que ça? Os de Loretta... Putain, heureusement que j'ai quand même une frame d'invulnérabilité. Putain, je vais y arriver. Merde. Quand même sacrément con. Hein. C'est marrant parce que leur arme là me fait extrêmement. Les armes qu'ils ont là, on dirait l'arme dans Bloodborne là qu'on voyait dans les cinématiques. Ouais, cinématiques dans les trailers. Parce que je n'ai pas joué à Bloodborne donc. Mais on dirait clairement cette arme là. Et allez, il y a l'autre con qui se réveille là.
Je sais pas ce que c'est que ça là. Merde. Il en envoie plusieurs. Wow. Qu'est-ce que c'est? Ok. Ah mais c'est quoi ça? Bon. Là j'ai un problème de caméra. Putain mais... Allez, ça y est, on joue comme une bite. Non, on joue comme une bite. Incroyable. Faut que son truc il tape contre un mur en fait. Son espèce de sort là. Toi par contre t'es crevé. Allez, mais casse-toi avec ta merde là. Il me saoule celui-là. T'as voulu me faire un câlin, hein, mais t'as peur ici à faire un câlin. Connasse. Hein? T'es sérieux? Allez, mais c'est quoi ça? Je l'aurais niqué du premier coup la première fois et là. Sale race, va, putain. M'énerve ça. Putain de monstre. Un détritus. Mais qu'est-ce que c'est que ces merdes là que je ramasse? On ramasse des belles petites merdes. Je reçure. Il y en a un autre là. Oh, ah merde. Oula. Mais d'où tu m'as... Putain, heureusement que ma bague elle m'a sauvé là. Parce que j'ai plus de vie. Hein. D'ailleurs j'ai plus de vie. Oh, oh j'ai plus de vie. J'ai plus rien. Puis en plus il y a même pas de... Qu'est-ce qu'il fait? Il y a même pas de... De feu. Il y a pas de feu, il y a rien. Oh, putain, je suis obligé de revenir quoi. Tiens, dans le puits, à quoi? J'ai pas regardé ça. Ah oui, là, il y a des... Il y a deux mecs. Ah non. Voyons voir ici, qu'est-ce qu'il y a. Ok, il y a du monde qui se ramène. Cette cabane, tiens. On peut pas y aller. Ah non. Ah putain, je vais être obligé de... Ouais bah oui, je vais être obligé. Ça me fait chier. Ça sert à rien que je me les tape, de toute façon ils vont repop. Donc je pense que je vais les esquiver. Quand je vais revenir, je pense que je vais esquiver le gros là. Ouais, cet environnement il est un peu chelou, hein. Je suis pas fan, mais c'est assez glauque hein, quand même. Allez. Allez, viens mon salou. Pourquoi t'as ta lampe torche d'ailleurs? Il fait pas nuit, hein. Ouah. Putain, mais voilà, mais ça y est, si je commence comme ça aussi. Non mais franchement... J'arrête de mal jouer hein. Pourquoi je suis en braise d'ailleurs? Ah mais oui, je suis pas encore mort, c'est vrai, donc du coup non, je suis toujours en braise, ouais. Est-ce que je peux... Ouais. Passer directement là. Passer là, vite, on court, on court, on court, on court, on court, on court, on court. Eh, une course ou quoi? Salut au Lausanne. Comment on va? Au Lausanne ou au Lausanne? Voilà.
Bon, déjà j'ai pété. Est-ce qu'ils m'ont vu ou pas? Non, ils m'ont pas vu. Ah, c'est Holozan, ok. Ça marche. Je pense que c'est par là qu'il faut continuer. On va aller voir faire un petit tour, voir qu'est-ce qu'ils s'en dit. Oh là. Mais c'est pas vrai. Ah, mais qu'est-ce que c'est? Ah, mais non, mais il y en a un autre qui me jette un truc. Ah, mais il jette des bombes. Oh le connard. Bah écoute, ça va, je sors du boulot. Mais putain, tu vas me faire chier longtemps, toi? Sors du boulot, on reprend le boulot ce soir. Donc, du moment que je suis à la maison, tout va bien. Qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a rien dans cette caisse. Parce que là, il y a un truc. On était pas déjà passé par là? Non, c'est un endroit qui y ressemble. Parce que nous, on était là. Attends. Bah, hier, je suis pas fou, hier. On était ici, non? Bah, si, c'est ça. Ah, c'est super grand. Bon, on va rentrer ici. Vu qu'on n'a pas fait. Comme ça, au moins, on est... Les joies de l'Oreca. Qu'est-ce que c'est que ça? L'Oreca? Qu'est-ce que c'est? Grand dame! Ah, grand corps malade. Merde! D'où il sort? Mais d'où il sort? Mais il y avait personne là, Tu te fous de ma gueule! Putain, quel con! Putain! Je suis mort comme une bite! Mais ils sont sortis d'où ces mecs? Il y avait personne! Il y avait personne! Ils sont tombés du plafond ou quoi? Ah, putain, non! Ah oui, je suis français, je suis pas québécois. Hôtel, restaurant, café. Allez, donc du coup là-bas vous dites ça, l'Oreca ou l'Oreca? Non, je pense que c'est l'Oreca. Putain, je suis plus en braise, mais je suis dégoûté, putain. Il s'était couché dans le foin? Non, mais t'es sérieux? C'est une blague, non? Il s'était vraiment couché dans le foin? Putain, des vieux mobs de merde qui m'ont buté, quoi. Ah, en Belgique. Oh, Belgique, ça va, y a pas grosse différence de langage. Petites expressions. Putain, c'est vrai, en plus, ils sortent vraiment de... c'est trop bizarre, ça. Les mecs, ils se cachent dans les bottes de paille, ou alors ils sont en train de faire un petit roupillon, et d'un coup... Ah, bonjour. Du coup, vous, je vais vous niquer. Voilà. Autant énerver que moi. Ah, cassez-vous. Un tenue d'ouvrier, oh ça doit être bien de la merde ça, tiens. Oh oui, c'est du de la merde. Allez, viens. Alors il y en a un qui balance des boules de feu. Oh, bah, du coup je vais attendre que lui il se ramène. Hop. Voilà. Tout est mort déjà, on n'en parle plus. Ah, c'est bon. No stress. Salut Karzal. Salut, oui, dans le foin, il faut bien qu'il se reproduise. Non, sérieux? Bon, ça dans le foin, mon dieu. Mais attends, clairement, ils étaient où? En haut, y'a rien. T'es vraiment là-dedans, là? Mais non. Ah, si. Ah, mais si, ils étaient là. Bande de sauvages. Sérieux, quoi. En train de dormir dans l'écurie. Avec les porcs. Mais putain, j'esquive, là. Qu'est-ce que c'est? Bon, je vais utiliser mon bouclier, parce que là, j'esquive et il se passe rien. C'est bizarre. Ah, ouais, ouais, j'ai vu à droite, ouais. Et pourtant, j'avais pas vérifié tout à l'heure ici. Non, j'avais juste fait ici, non? Alors, je suis passé, je les ai même pas vus, ils ont rien entendu. D'accord, bon. Ah non. Enfin, eux, ça va encore. Et fais ton attaque, là. Voilà, t'es content.
Putain, mais t'es costaud toi. Pourquoi t'es costaud comme ça? Pourquoi t'es... Le vieux backstab que j'ai voulu tenter quoi. Alors... Y'a personne qui va tomber du plafond là. Non. Ouvrir. Ah et du coup on voit mieux le mec là, voyons voir. Putain si c'est le boss de fin, enfin de fin, de fin de niveau. Bouclier rond au caduée. Oh putain. Oh connard. Qu'est-ce qu'il fout là? Comment on fait? Je veux y aller. Signifie ça sent la mort? Non. Non arrête quand même. On va pas mourir. Ah, comment on monte? Par contre, avant de continuer par là, ouais, non, je serais plus tenté de revenir. Enfin, du coup, là où on est passé hier, quoi. Parce que là où on est passé hier, bah, y avait pas mal de choses. Parce que là, du coup, au fait, quand, là où on est passé, je crois que c'était ici. Et du coup, au fait, ça redescend et ça rejoint forcément, je pense, hein, de toute façon. Donc. Ouais, ça doit être ça. Sauf que là, ça va être le chemin plus ou moins tranquille, je pense. Bon, mis à part le gros clair là qui fait chier. Ah, bah, si on peut passer là, s'il y en a un impeccable, ça. Bah, tiens, il y en a un là. Vas-y, viens. Ah, tu fais le tour. Oh putain, mais oh, il m'a fait peur lui. Mon dieu. Allez, vas-y, viens. Aïe aïe aïe, je suis pas protégé. Putain, j'ai le mec qui me gratte en plus, c'est pénible. Ah. Je sais pas si y a toujours le chaudron de d'Estus. Ici, on n'y est pas été. On n'y est pas allé. Non, on n'y est pas été, on n'y est pas allé. Ça veut rien dire, on n'y est pas allé déjà. On fait pas la liaison. On n'y est pas. Bon, on n'est pas passé par là. Voilà. Pas passer par là. Alors lui, on va se le. Allez, il est vénère celui-là. Allez. Voilà, sois zouzou et dodo. Qu'est-ce qui s'est passé là? Quoi? J'ai. Ah, t'as voulu me backstab, hein? Pas t'aller. Marrant comment tu l'as écrit comme ça. Ça pourrait le faire. Hein. Un nouveau mot français. Le patalé. Ah, mais du coup. Ah, ça rejoint là en fait. Ah, ok. Ah oui, mais ici je vais me faire encercler. Il y a des monstres ici, je m'en souviens. Ah, bah si, ça. Ah, oh. Le mec il fait que des jouissements. Ah oui, en fait, du coup, c'est quoi que j'ai. Attends, y'a personne là. J'ai ramassé un espèce de bouclier là. Ça. Qu'est-ce que c'est? Le bonus il est un peu mieux. Il est en E plutôt que D. Normalement c'est mieux quoi. Mais bon, physique il est pas ouf. Mais il est moins lourd quand même. Hein. Il est bien bien moins lourd. Mais il est bien moins durable. Ah ouais, ouais bref. On va dire si j'ai une grosse armure, c'est bien quoi, pour compenser au niveau poids. Oh putain. Ah toi, j'ai pas besoin de te taper. C'est bon, on l'a déjà fait. Pareil là, hop, attention. On va passer là, on est passé hier. Allez. Je sais pas s'ils peuvent venir, je pense pas. Ça sent la mort ici. Oh là, il y a un passage là. C'est un ennemi ou quoi ça?
Ça doit être un tronc d'arbre. Et un petit passage. Hein. Ça me donne envie d'y aller. Putain, ce village quoi qui tombe en ruine. Mon dieu. J'espère qu'il paye pas d'impôts. Hein, parce que ce serait une honte. Ah oui, là-bas il y avait le. Voilà, c'est là où on s'est arrêté. On a arrêté de jouer. Il y avait le mec là, qui lançait ces espèces de. De tours de magie de merde. Oh putain, on peut rentrer ici? Putain, je pensais que c'était juste une porte fermée, donc on pouvait rentrer un petit peu quoi. Mais y'a rien. Oh le petit bug. Mais y'a rien en fait, ça sert à rien. C'est quoi ça? Non? C'est en haut, non? Quelque chose? Non. Ça sert à rien. Y'a rien ici. Putain. Ah putain, j'en ai marre de me faire avoir comme un bleu. Il saoule avec sa merde, lui. Oh non, mais attends, l'autre il sort énervé de chez lui là, c'est bon. C'est l'orgie là. Un fouet? Un fouet. Attends, puisque ça me fait peur là. Un fouet? Non, mais sérieusement? Oh là là. Vouloir? Attends, c'est trop marrant. Attends, ça pèse que dalle en plus. Non, c'est pas comme ça. Voyons. Je sais pas, je sais pas ce que ça donne ça, si on va essayer. Oh oui, il est quand même un gros marteau lui hein. Pas que je fasse trop le fifou non plus. Ah c'est pas top top hein. Ah putain, et l'autre il me fait chier avec sa merde là. Bon ok ok. Je vais reprendre, voilà. Je vais reprendre ma hache, je vais me remettre d'avis. Il me fait chier là, l'espèce de sorcier de merde, il est où? Il est en haut. Attends, on va essayer de se le faire. Je sais pas où faut aller pour se le faire. On peut monter là? Non. Il y a un escalier là. Putain, ce rire quoi. On dirait hein, une vieille imitation de Omar Sy. Ah voilà. Fragment de titanite, ça c'est cool. Comment on monte? Ça doit falloir faire sûrement le tour. Oh espèce de pas. Oh, il est en haut, hein. Comment on fait? Est-ce que je peux aller là? Il a un sacré rire hein. On peut pas y aller. Là il y a un truc, je pense qu'on peut y aller par là. Oh putain, mais c'est tellement mal joué. Oh, y'a une bestiole. Reviens. Une gemme tranchante. Tiens, c'est nouveau ça, je connais pas. Une gemme tranchante. Ah mais y'a un feu là. Oh putain, mais parfait. Parfait. Voilà. Oh putain, compliqué. A gauche l'échelle. Ah, il y avait une échelle. Merde, j'ai pas vu, excuse-moi. Alors attends. Mais merde, comment je fais maintenant du coup? Je suis baisé là. Putain, je sais pas si je me suis retrouvé au final. Là, il y a une porte et tout. Attends. Ça met où ça? C'est fermé ou c'est ouvert? Ah non, c'est un raccourci, ok. Du coup, faudra revenir. Qu'est-ce que c'est que ça? Attends, j'ai vu un ennemi là. Assez imposant.
qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi il y a une palette sur lui? Il est bizarre celui-là. Est-ce que je peux grimper là? Oh, bah non, je peux pas, de toute façon, c'est Dark Souls là. Mais merde, putain, je suis Keblo! On va revenir comme ça, voilà. Ah, voilà. Alors, tu me dis qu'il y avait une échelle. C'est pas ici. Est-ce que je peux remonter par là? Ah oui, mais non, mais je m'étais foiré pour aller ici, ok. Ok, donc je pense qu'il faut aller dans la maison. Bonjour. Personne, visiblement. Le mec, il rentre chez les gens, il pète tout. Est-ce qu'il y a quelqu'un, bon sang? Y a vraiment pas d'objet caché. Hein. Je sais pas pourquoi je fais ça à chaque fois, mais bon. Ah, il est là. Ouais. Ah, l'échelle. Ah, merci, Karzal. Putain, je vais y arriver. Il est là, le petit con. Allez, allez, on se fait violer. Allez. C'est tellement drôle. Où est-ce qu'il est? Il a dû tomber. Il est tombé? S'il est tombé, il est tellement con. Ah, il est tombé. On va rester en bas. Un fragment de titanite encore. Alors, est-ce que je peux te niquer de là? Ouais. Allez, c'est ça, mais bien sûr. Ouais, c'est ça. Kalima, machin. Voilà. Kalima, choctiné. Ah, il a rien droppé, petit salaud. Petit enfant de putain. Ok, du coup, on est revenu là. Bah, c'est bon, on a tout vu ici, je pense. On a rien zappé. Je fais un petit tour par là, histoire de vérifier. Là, on y était. Oui, on y était allé. Fais voir ce qu'il y a marqué. Trésor droit devant. Objet droit devant. Oui, enfin, c'était le fragment de titanite, quoi. C'est pas vraiment un coffre. Par contre, je serais bien d'essayer de choper ça. Voilà. Une pièce rouillée. Qu'est-ce que c'est que ça? Pièce rouillée. Alors. C'est ça, non? Non. Calice. Qu'ils appellent par pièce rouillée. Ah oui, ça c'est quoi ça? Prêter serment au guerrier solitaire. Qu'est-ce que c'est? Ça va être là-dedans. Ah oui, l'os c'est quoi ça? Os humain perforé à plusieurs endroits. Et du coup, ça sert à quoi ça? On a découvert l'enceinte de camp de mort vivant, la dépouille d'une femme qui s'est encorchée encore à cette. D'accord, bon. Os de retour, ok. Détritus, mais ça sert à quoi ça? Parfaitement dépourvu de valeur. Quelle personne aime s'en tirer pour un bien? Ouais, ouais, c'est un peu bizarre. Alors, pièce rouillée. La broyer augmente temporairement les chances de découvrir des objets. Ah, ok. Oh, c'est pas génial quoi. C'est pareil ça. Putain, attends, j'ai entendu un bruit. Non, c'est lui. C'est pareil, l'espèce de crâne, je sais pas trop ce que c'est un peu bizarre. Crâne chelou. Bon, lui il a pas l'air d'être tellement commode. Ouais, si on passe par là, on revient. Ouh, on peut aller par là. Il a l'air d'être balèze lui. Je vais le tenter là avec des bombes, tiens. Maman! Ah,
Voyons. Ah ouais, il est con. Ah, il est con. Ah non, ça va, il est con. Ah, il est vraiment con en fait. Une grande machette. Oula. Putain, on ramasse pas mal de choses là. Merde, il faut. Putain. Attends, 24 en dextérité. Tu fous de ma gueule, sérieux? Ah non, la force, il faut ça. Pff, du coup. Ah ouais, mais elle est bien. Hein. Merde. Oh putain. Il faut être costaud. Okay. J'hésite du coup à. J'ai 4700 âmes hein, quand même. Hein. Je vais retourner. Ouais. De toute façon, ça sert à rien que je continue. Parce que si je continue, de toute façon, après, je dois revenir. Parce que j'ai plus de fiole d'estus. Et tout va repopper. Donc, autant retourner au sanctuaire. Utiliser mes âmes avant que je les perde. Et puis. Je sais pas si j'aurai assez, hein, remarque. Là. Sanctuaire, Ligue Feu. De Dieu. Oh, ça, je vois le chat en train de faire la sieste, ça me donne envie de faire la sieste aussi. Oh. Alors, il y a toujours que un trône, que un mec sur le trône. Hein. Qui me sert toujours à rien, lui, en plus. Merci. Du coup, est-ce que je peux augmenter de niveau, ma chérie? Oui! Tout juste, hein. À quelque chose près. Alors, du coup, je sais plus ce que j'avais amélioré la dernière fois. Je crois que c'était la dextérité. Force... ouais, du coup, ce serait peut-être bien la force. Ou la vigueur. La vigueur. C'est vraiment un point quoi. C'est. Ah non, défense ça augmente top 2 points. Et la force, voyons voir. Ouais non mais la force aussi c'est important. Ça fait longtemps que j'ai pas amélioré la force. Là comme ça on sera à 16. L'endurance aussi. Non, l'endurance, je suis déjà à 16. L'endurance, si j'augmente. Non, je l'avais déjà augmenté en plus la dernière fois. En plus, l'endurance, ça va. L'endurance, je trouve que j'en ai pas encore besoin. Je pense que ça sera soit de dextérité ou de la force ou vitalité. Mais vitalité, pour l'instant, ça va. Ouais, la force. Marché conclu. Voilà. Alors, du coup, je vais faire un petit peu. Oui, au revoir. Je vais faire un petit peu le tri dans mon inventaire parce que j'ai tellement de merde. Bon, ça c'est quoi? Le jeté libère des âmes à l'impact et permet d'attirer certains types d'ennemis, mais pas tous. C'est un peu de la merde. Alors attends, du coup, est-ce que je peux l'utiliser? Attends, mais... Et si je range? Ça m'a pas donné d'âme. Hein. C'est un peu... Ou alors, attends, ça a attiré des joueurs ou quoi? Pas compris. L'a pas compris. C'est quoi ça? Le trousse à outils. Je peux rajouter des trucs. Cercle de la voix. Putain, c'est que j'en suis jamais servi ces trucs-là. Je sais pas ce que c'est. Alors, une braise. Fragment d'estus. Ah, ah, mais oui, c'est vrai, j'ai ça. Augmente tempérament les chances de découvrir des objets, ouais bon. Franchement, qu'est-ce que j'en ai un peu à foutre quoi. J'en ai deux en plus. Alors, confère à l'arme, l'arme droite, les pouvoirs du feu. D'accord, donc ça c'est intéressant. À l'arme droite, les pouvoirs du feu. Bah, c'est pareil en fait. Résine de pain brûlé et paquet de pain brûlé. C'est la même chose.
tout de lancer, ouais, j'en sers vraiment. Répare l'armure et les armes équipées. Ah, c'est pas mal ça. Détritus, mais qu'est-ce que tu veux que je foute de ça, quoi? Ça sert à quoi? Détruire, quoi. Mais oui. Ça sert à rien du tout. Os du retour, oui, bon, ça c'est bon, ça je garde. Les jumelles, je garde. L'os de Loretta, alors ça j'ai pas compris. Mais je pense que ça peut servir. Ah, mais voilà. On va les utiliser. Oh là là, il m'en a donné beaucoup celui-là. Ah oui, c'est des grandes âmes, c'est normal. Donc c'est 800, je crois. Non, c'est 400. C'est 400. Il y en a encore. Âme de voyageur inconnu. Hein. 200 normalement. Ah non, 800. Ah ouais, quand même. Là, ça donne pas mal d'âmes. Hein. Fort bien, fort bien. Ça, je sais pas vraiment à quoi ça sert. Attends, j'hésite à utiliser ça quand même. Une âme d'exception particulièrement puissante, quoi. Et on m'a dit que avec ça, on pouvait acheter des armes de ouf, quoi. Donc, mais bon. Y a tellement d'armes déjà que j'ai là que je pourrais avoir aussi. Mais... Bon, toi. Bonjour. Alors, je vais te vendre certaines choses. Mais ça. Mais ça, je sais pas si c'est tout le temps. Non, j'en sais rien. Résine de pain. Ça, je garde. Bon, les fleurs vertes. Bon, j'en ai qu'une de toute façon. Autant que je la garde. Non, ça, je vais garder ça. Voilà, il y a des trucs qu'il faut que je vende. Voilà, le fouet, ça je vais le vendre. Ça, je vois pas trop l'utilité du fouet, quoi. Ah merde, j'ai équipé. Merde, quel con. Le bouclier, ouais, le bouclier, je vais le vendre. Le mien me convient. Ça, je le vends aussi. C'est de la caca. C'est vrai que je l'ai pas mis ça. C'est vrai que ça pèse lourd comme ces merdes. Je sais pas. Attends, je... Oui. Un petit rire. Inventaire. Voyons voir si... Mais putain, je vais me tromper à chaque fois, c'est incroyable. C'est incroyable. Ça, j'en veux pas. Voilà. Déjà, j'en veux pas, c'est sûr. Ça, je vais changer, je vais essayer de mettre ça. Du coup, je suis à 60% et si je mets ça, là, je suis à 67% quand même. C'est chaud. Hein. Bon, je suis toujours aussi agile, quoi, mais. J'en sais rien. Je vais voir. Tiens, je vais voir avec lui. Bon, déjà. Déjà voilà, je vais renforcer la fiole d'Estus. Ouais. Renforcer l'arme. Alors est-ce que je peux ou pas? Ah, je peux faire ma hache. Hein. C'est intéressant ça. Parce que ma hache en plus, j'ai déjà. Ah putain, j'ai un truc. J'aime bien ma hache pour le moment, j'aime bien. Ça c'est intéressant, mais vraiment c'est. Putain, il faut tellement de force quoi. Be careful. Putain, je suis en train d'hésiter à claquer. À claquer l'âme de Vort là, de la vallée boréale. Ça peut rapporter énormément d'âmes. Ah putain.
réfléchis. Hein. Je réfléchis. Parce que là, ma hache me convient. J'ai des bonnes armes là à venir. Là, notamment l'espèce de grosse scie. Ouais, allez. Ouais. Pas de regret. Hein. 2000 âmes. Pas de regret. Ah oui mais du coup merde non je sais pas si je fais non je sais rien je sais plus je sais pas ce que je veux oui bienvenue non je pense que je vais renforcer l'arme putain elle vaut quand même cher hein, cette con de hache là aussi là faut 32 hein. Là, je passerai à 138 plus 41. Je serai de C à C, mais ça change rien en fait. Ça change rien. Enfin, pas grand chose quoi, tu vois. Et le katana, du coup, ça ferait quoi? 126. Ouais, ouais, mais non, en plus, le katana c'est pas terrible, je sais pas, non. Non, non, je préfère ma hache. Et voyons voir ce que. Non. Ah, mais si, je peux améliorer aussi mon bouclier. Non mais non, clairement j'améliore voilà ma hache. Ouais. J'ai claqué du pognon, je suis content. Voilà, imprégné. Ouais, je peux l'imprégner de quoi? Gemme de feu, mais putain j'ai récupéré une gemme tout à l'heure, c'est quoi cette connerie? Je peux pas la foutre. Voir, c'est peut-être que sur ça, non? Renforcer fiole d'estus, réparer l'équipement. Parler. Ouais. Alors, c'est quoi que j'ai? Alors, je comprends pas. Gemme tranchante. L'imprégnation permet de créer une arme acérée. Mais oui, mais il peut pas faire lui, c'est pas un forgeron. Est-ce que t'es un pauvre forgeron, c'est pour ça? Je comprends pas là. J'aime brut feu, confession. Alors peut-être c'est suivant les armes, peut-être infiné brut feu. Infiné brut feu. Infiné brut feu, non. Mais non. Affiné brut, mais il l'a pas lui. Putain, il est tombé sur un. Sur un marin d'eau douce. Utiliser, non, je peux pas. Bon, bah, peut-être qu'il faut trouver un autre forgeron, je sais pas. Je pense que c'est ça, parce que je vois pas autrement. Du coup, est-ce que je peux réutiliser mes 4500 âmes? Oui, bienvenue. Niveau supérieur, ouais. Ah, chiotte, il manque tellement peu. Oh, je vais vendre un truc. Je vais vendre un truc. Je sais pas quoi. Je suis à combien là au niveau. C'est bon, je sais ce que je vais revendre. Je vais revendre mon pantalon et mes gants. Et mon slip. Non, bah tiens, je vais revendre ça déjà. Voilà, le fouet, j'en veux pas. Bon, le katana, ouais, je le revends. Ça, je les garde pour le moment. C'est chiant qu'on ait pas de coffre. Ça, du coup, ouais, je vais revendre. Quoique le falzar, je me le mettrai bien de côté. Toujours avoir un pantalon de secours, hein, c'est très important. Dans les jeux vidéo comme dans la vie, faut toujours avoir un pantalon de côté. Alors j'ai la force ou pas? Oh, j'ai tellement envie de refaire la force ou la dextérité. Dextérité aussi, c'est pas trop mal. Hein.
Oh, allez, la force. Oui. Allez, des bisous, on s'en va. Allez, zou. Voyager, voilà. Le pont en ruine. Allez. On y go. Ah. Ah, je pense que je vais jouer jusqu'à... Parce que moi je reprends à 10... enfin, 19h. Donc je pars d'ici à 18h30. Je sais pas. Soit j'arrête à 18h ou soit j'arrête à 17h30. Je sais pas. J'avoue que j'aimerais bien quand même me reposer un peu. Me poser le crâne. Parce que Dark Souls, c'est pas un jeu vidéo où on pose le crâne. Hein. C'est un jeu vidéo où... Faire bien attention. C'est pas n'importe quoi comme jeu. Bon, allez, lui, je me le fais à la loyale. Le gros monsieur. On peut pas l'insulter, là, pour qu'il vienne. Il a dû me voir, là. Ok, d'accord. Ah, c'est bien aussi, moi, quand je sais pas jouer. Putain, deux handicapés qui se battent, quoi. Incroyable. Je sais pas pourquoi mon personnage il met 40 ans à taper. Peut-être l'endurance, non? Ouais, je sais pas. Ici. Oh non, il y avait rien. Allez! Qu'est-ce qu'il se dit? Tireur d'élite droit devant, donc attention, zone dangereuse. Amitié en vue. C'est que... Attends, c'est lui là? C'est lui qui me tire dessus ou quoi? C'est ça. Ah d'accord, c'est des flèches tout ça qui est par terre. Enculé. Oh. Ah ouais, c'est vraiment sur moi qui tire en fait. Ouais, il y a tellement de choses là en plus là. Oh là 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 là, c'est quoi ce truc de la mort? Non, je suis pas prêt là. Putain, le mec il boit son coca à côté. Easy bro. Oh là 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 là, oh, je suis tombé. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Putain, heureusement que j'étais gaspillé mes âmes, hein. Putain. C'est quoi cette zone de port? Je fais comment pour récupérer là du coup, parce que je suis tombé, je suis tombé. Putain, mais quel connard! Moi je crois qu'il était avec nous celui-là, l'espèce de protecteur là, non? Pas du tout en fait. Pas du tout. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah tiens, on a loupé quelque chose ici, mais qu'est-ce que... Oh putain, comment que... Il y avait un pont pourtant avant, mais je comprends pas, putain. J'ai du mal à comprendre le level design de ce jeu là. Enfin de ce jeu, de ce monde. Attends putain, il y a un pont à un moment. C'est pas celui-là, non, parce qu'il est détruit. Il est teubé quoi, lui c'est incroyable. C'est vraiment le gros lourdeau. Le gros lourdeau quoi. Allez. Non, il a fait comme Chewbacca. Il était où ce maudit pont? Il y avait un pont. À côté du feu à droite. Non, pas celui-là. Si tu te souviens, on était...
Oui, enfin, y a ce pont-là, mais celui-là, il est fermé de l'autre côté. Il y avait un autre pont par ici, quand on était là-bas, au fait. Attends, on va regarder. Vous allez voir. Est-ce que c'est bizarre? J'arrive pas à comprendre, en fait, où est-ce qu'il est, ce pont, et où est-ce qu'il mène exactement. C'est un peu... Mais du coup, faut que je revienne. Putain, il va y avoir tous les ennemis et tout, là. Merde. Comment je fais? Qu'est-ce que c'est? Un feu droit devant, bonne chance. Il est juste là, quoi. Ah merde. Comment je reviens? Je reviens comme ça, non? Ouais, comme ça. On va essayer de courir, je vais vous montrer. En plus, il y a du monde là. Hop là. Puis l'autre qui est là. On va courir. Oh là là, c'est une horreur. Hein. Courir. Ah oui, et puis ici c'est pareil, il y avait un bruit chelou. Voilà, donc du coup, putain, on revient super loin. Après, à l'autre feu, ouais, je sais pas s'il y a un autre feu là. Oh, merde, putain, j'ai tombé. Voilà, c'était par là. Voilà, on est passé par là. Bah là où il y avait, voilà, il y avait les mecs qui étaient dans la paille là. Et il y avait un autre pont, mais du coup, je sais pas où est-ce qu'il m'a amené ce. Voilà, ça qui est bizarre. Oh là 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 là. Ouais, c'est un gang bang là. Et arrête de le loquer. Oh putain. On va courir. Voilà. Ok, bah eux ils sont vénères. Bon, ça va que du coup j'ai amélioré quand même ma hache et ma force. Voilà, c'était ici. Voilà, c'était ce pont là. Voilà. Et du coup, je comprends pas. Merde. Putain, je l'ai one shot celui-là. Je comprends pas. Ouais, bah oui. Je comprends pas où c'est ça. Alors, du coup, c'est peut-être une autre île. Ah, d'accord. C'est super bizarre. Hein. Feu droit devant. Encore un autre feu? Ah, mais putain! Oh la vache! C'est quoi qu'a. Je sais pas ce que c'est qu'a explosé. C'est quoi? Putain, y'a un mec qui me jette une bombe là. Je sais pas où il est. Oh là là, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il fait lui avec son pot là? Mais c'est quoi ces zones? Putain, la vache! On va fuir comme une pédale. Qu'est-ce qui se passe ici? Putain, ce village quoi. Ah ok, les mecs ils sont en haut, je les ai vus. Ouais. Alors, attends, on va prendre les jumelles, on va prendre le temps. Voilà, il y a... Ah oui, d'accord, ok. Il y a des espèces de gardiens. Il y a le gros avec son pot de fleurs. C'est des barils qui explosent alors ça du coup. Et il y a un feu qu'il y a un mec qui a dit ici. Je vois pas de feu moi. Et là il y a encore un... Attends, parce que là il y a encore un autre passage ici avec un autre pont. Mais putain, mais c'est quoi ce bordel? Je comprends pas. Il y a tellement de chemin. Putain, il y a un autre truc en bas. Alors là on peut sauter du pont pour accéder ici. Mais qu'est-ce que ça ferait? Ah, je comprends pas trop. Hein. Franchement là. J'hésite là à tomber là. On va peut-être tomber. Ouais. Je vais tomber. De toi je t'avais vu mais j'ai pas pu t'aider. Oh putain. Un fragment de titanite, ok. Tu as un autre feu là aussi? D'accord. Un autre feu. Alors où est-ce qu'il est ce feu? Il y a encore... Putain, mais que des mecs avec des pots. Oh. Attention ennemi. Attention ennemi. Non. Pas d'ennemi. Il y a quelqu'un qui essaie de me tirer dessus mais qui n'y arrive pas visiblement. Putain. Ah oui, il y a un feu là. Il y a combien de feux? Il est super grand cette zone en fait, c'est un labyrinthe. Hein.
Ok. Bon, du coup, normalement, ici, c'est plus ou moins safe, normalement. Ok. Vraiment des feux partout là. Ah ok, du coup là on remonte là. Ah voilà. Et nous on était là. Ah ok, putain la vache, c'est quand même bizarre. Alors du coup on a plusieurs passages. On a le passage par là. Bon je pense qu'on va plus faire d'ajour ce petit village là. On va faire par village. On va faire par le plus qui est facile. Voilà. Le plus facile et on fera le plus dur après. Voilà, du coup il y a du monde. Est-ce qu'ils m'entendent ou pas? On va essayer d'y aller. Attendez, je vais voir un truc avec la caméra. La caméra, il y avait un truc. Effet cinématique, oui. Anti-collision, voilà, non. Et si je mets non? Parce que des fois il y a des problèmes de caméra, mais je sais pas si c'est vraiment ça ou pas qui gêne. Ah, je vais le laisser comme ça, on verra bien. Ok, complètement foiré, c'est pas grave. Oh bah, maintenant je les one shot hein, les ennemis. Un pantalon d'ouvrier. Ouais. On va trouver un tout palon. Oulala, il y a un PNJ. Aha, unkindled, are we? Welcome to my abode. I am Cornix, an old pyromancer. A crow in his cage, as you see now. But here we are, an encounter for the ages. I hear the unkindled make for fine vessels. Care to learn some pyromancies from this old man? La pyromancie, bon écoute, c'est gratuit, je peux dire non. Most wise. A chance encounter should not be squandered. To reiterate, I am Cornix of the Great Swamp. The pleasure is mine. Loué soit le soleil droit devant. Quoi, il y a marqué ça? Une hache légère. Alors est-ce qu'il nous a appris la pyromancie? Je comprends pas. Enfin bon. De toute façon, je suis pas trop magie. 110. Ouais, ouais. Elle est moins bien. Elle est moins bien, mais bon, on va dire si je l'aurais pas eu cette hache là, oui je l'aurais prise. Bon alors du coup ce village ça m'a l'air bon. Il y a un truc à ramasser en bas mais il y a un gros là, avec son pot là. Il est où? On va essayer de lui tomber dessus. Ah et du coup ça rejoint ça. C'est bizarre. Il est où monsieur pot? Monsieur Pau. Mais il est polo. Ah, parce que j'ai pas trop envie de me le taper à pied. D'ailleurs, ça me fait penser que j'avais vu un truc qui pendait là. Un espèce de secret. Maintenant, le type est à la Ligue de Feu. Tu pourras le retrouver là-bas. Ah, d'accord. Comme le premier que j'ai sauvé là. Sauf que je le vois pas la ligue de feu, c'est ça qui est bizarre. Ou alors je sais pas du tout où est-ce qu'il est. Ah mais si, il est là le gros. Il est juste en dessous. On va essayer de se le faire comme ça. Il est juste à la porte d'entrée. Ouais, il est là. Ouais. Ouais, c'est là, ouais. Allez, zou. Ah ouais, il fait quand même mal avec son pot, hein, parce que là, il m'a touché qu'une fois, il m'a enlevé quasiment toute ma vie, quoi. Putain, il rigole pas, celui-là. Ah, une gemme de feu. Âme de voyageur inconnu.
Ah, l'objet de torture, quoi. J'ai vu qu'il y avait un truc. Ah, voilà, c'était là. Voilà. C'est quoi? C'est un gentil, ça? Bague serre de feu. Je vais le laisser en vie. Il fait pas de mal, visiblement. Il pleure son... Il faut fouiller en dessous le forgeron. Ah bon? Bah tiens, on va y aller, tiens, d'ailleurs. Parce qu'on a ramassé pas mal de choses, là. On va y aller. Alors, attends, parce que j'ai ramassé aussi un... Une bague. La bague du duc de Pouille. Voilà. Améliore les attaques de feu, mais réduit la défense. Ouais. Je suis pas fan. Hein. Ouais, je suis pas trop... Je suis pas trop... J'ai cru que ça allait exploser. Ça a pas pété, ça, non? Je comprends pas. Merde, il était où le... Ah, il était en bas? Mais il y a d'autres zombies là. Et où est-ce qu'il était ce putain de feu? Mais putain! Ça se fout de ma gueule? Voilà. On va aller, voilà. On va retourner là-bas du coup. On va voir ce que tu me dis là. Ils sont jusque... En dessous le forgeron, du coup. Et oui, c'est vrai, parce qu'on m'avait parlé qu'il y avait des endroits qui... Enfin, que je disais, putain, ils servent à rien ces endroits, mais en fait, on m'avait dit qu'il y avait des PNJ après qui vont s'installer. D'accord, et c'est comme ça qu'ils s'installent, donc... Alors attends, je vais faire demi-tour. Comment je remonte là? Putain. J'étais sauté de là, je crois. Je suis désolé, ça fait des mouvements de caméra un peu dégueulasses, mais... Oh! Voilà. On va aller, voilà. On va retourner là-bas du coup. On va voir ce que tu me dis là. Ils sont jusque... En dessous le forgeron du coup. Et oui, c'est vrai, parce qu'on m'avait parlé qu'il y avait des endroits qui... Enfin, que je disais, putain, ils servent à rien ces endroits, mais en fait, on m'avait dit qu'il y avait des PNJ après qui vont s'installer. D'accord, et c'est comme ça qu'ils s'installent, donc. Bon, ça, c'est ton... Voilà, c'est ta zone de travail, même si tu travailles qu'à un endroit, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'on a là? C'est ça? Oh, hello, you're back. And in one piece. Well, now it's time I do my part. Ah putain, j'avais oublié. Speak up. Just don't ask me where I got them. Voilà, c'est ça. Ah, mais voilà. Donnez l'os de Lorenta là. Du coup, on va lui donner parce que c'était la quête, quoi. Putain, j'avais complètement zappé ce mec qui était enfermé dans sa cellule, dans le mur de l'Autric, putain. Bah ouais, je te donne, alors. Donner l'os de... Bah oui, oui. Heavens, she was already dead. Thank you. I'm not surprised, though. Almost a relief, really. You can keep the ring. As, well, a little trinket of thanks, I suppose. D'accord, donc du coup... Ah mais qu'est-ce qu'on peut lui acheter à lui? Oh là là! C'est quoi ça? Une touffe de... Oh, je sens. Ah mais il y a des armes et tout là. Oh là là!
il y a des boucliers aussi. Il y a des pantalons. Mais c'est le paradis. Non, franchement, peut-être un nouveau casque, ça serait pas mal, c'est un nouveau casque aussi. Là, j'en ai marre d'avoir toujours la même tronche là depuis le début du jeu. Goodbye and stay safe. Oui, on va essayer. Bon, alors tu m'as donné, du coup, c'est quoi que tu m'as donné? Tu m'as donné une bague, je sais pas quoi. C'est pas ça. Hein. J'aime tranchante et j'aime feu, et après, ouais. Non. C'est pas ça non plus. Non, bah, qu'est-ce qu'il m'a donné? Il m'a rien donné, oui, ce trou du cul. Donc à gauche du forgeron, t'as le prisonnier, à droite le pyro. Donc du coup, il est de l'autre côté. On va aller le voir. Ah, there you are, unkindled one. I wish to express my gratitude for trusting a lowly pyromancer, and as promised, I will impart pyromancy. But first, you'll need a flame of your own. Careful you don't burn yourself with it. D'accord. Renforcer flamme de pyro. C'est quoi ça? Acheter objet, apprendre pyromancie. Putain, c'est un peu bizarre. Hein. Oui, oui, moi aussi, j'espère bien te revoir un jour, mais... C'est un peu chelou, je sais pas, on dirait qu'on fait des pactes, en gros, pour être que comme ça, ou que comme ça, je sais pas. J'ai pas trop confiance avec ce monsieur. Sa pyromancie, ça me fait un peu peur. Est-ce qu'il y a le monsieur que j'avais sauvé aussi, enfin, l'espèce de monstre, enfin, c'est pas vraiment un monstre, mais... putain. Oui, c'est ça, avec la carapace. Il y est aussi. Ah, il y est? Alors, il est où? Il est peut-être en haut. Ou alors, il est en bas et je l'ai pas vu. Ouais, c'est... Vagina Head. Le mec avec la tête de vagin. Ah, bah le voilà. Le puissance. And shall we begin? Ah, c'est là qu'on m'avait dit qu'il faisait du coup péter 5 niveaux gratos. Non, là c'est que 2. C'est que 2. On m'avait dit que c'était 5 niveaux. On m'aurait menti. Qu'est-ce que je fais? La vitalité, l'endurance. Ah, et l'endurance, tiens. Si je fais retour. Parlez. As I have said, I was one. Alas, the magic of Londor is a far cry. But I can teach you what I know. Perhaps, more importantly, I believe that I can help tease out your three pilgrims of Londor are keenly aware. That those branded by the dark sign possess. D'accord, j'ai débloqué un truc. Parlez. As I have said, I was one, alas. The magic of Londor is a far cry. But I can teach you what I know, perhaps. More importantly, I believe that I can help tease out your three pilgrims of Londor are keenly aware that those branded by the dark sign possess. D'accord, j'ai débloqué un truc.
Révèle la And shall we véritable bearer puissance. of the dark sign, let your true strength shine. Oui, mais ça influe sur une fin du jeu. Après, je sais pas si tu veux être spoil ou pas. Bah non, je voudrais pas être spoil, donc. Mais bon, je vois pas ce que j'ai. Enfin, si on m'a dit que de toute façon, dans tous les cas, je me transformais en zombie. Mais bon, moi, je vois pas ce que ça change. De toute façon, dans Dark Souls 1, on est en zombie direct, quoi. Je veux dire, ça. Je vois pas trop. Je comprends pas trop. Donc, acheter objet, fais voir ce qu'il a. C'est quoi ça? Tire une flèche d'âme. Oula, c'est bizarre ça. Il en est drôle de choses, lui. Be safe. Ouais. Champion of Ash. Oui. Enfin, c'est le seul truc que je sais, ouais, c'est que comme quoi que on se transformerait en zombie si on ferait ça. Et moi, ça me dérange pas plus que ça de me transformer en zombie. Je vois pas ce que ça change, si c'est qu'esthétique, quoi. Ouais, je voulais voir pour les casques. On va changer de chapeau là. Une capuche. Mais c'est complètement nul. Elle a rien d'intéressant hein, celle-là. Une braise, etc. Mais. T'es vraiment une vendeuse de Carrefour, toi. Du coup, ouais, bah, je sais pas trop. J'ai une gemme feu, mais alors là, gemme feu quoi. Voyons voir. Ouais, mais je fais des dégâts de feu, non? Ça, qu'est-ce que t'en penses, Karza, là? Est-ce que ça vaut le coup ou il faut pas le faire? Parce que attends, là du coup, je suis à combien? 192 en tout en attaque physique. Après là, je redescends à 120, mais je serai aussi à 120 de feu et à 100 de critique. Ça ferait quand même beaucoup là, je trouve. Mais après, ouais, non. Ouais, ça m'a l'air d'être bien ça. Ou alors je la garde pour autre chose, mais peut-être le bouclier. Mais mon bouclier, qu'est-ce qu'on s'en fout quoi? Ouais, on s'en fout le bouclier. Il est renforcé de toute façon, je peux plus rien renforcer de toute façon. Ouais. C'est clair surtout que la plupart du temps on porte un casque. Oui. Allouer. Ah oui, ça c'est pour la magie et tout, mais bon la magie on fait certainement pas. Je pense que je vais mettre la gemme de feu, ça m'a l'air d'être bien. Non, c'était pas ça que je voulais faire. Mais on voit. C'était l'autre là. Lui. Merde. Vendre. Non, je veux pas lui vendre quoi que. Allez, tiens. Je vais te vendre ça là. Parce que ça, je serais débarrassé. Acheter. Tout dépend, mais beaucoup de mobs aiment pas le feu. Moi, je l'ai fait. Bah ouais, je pense que je vais le faire aussi quoi. Ça m'a l'air d'être intéressant. Alors du coup, masque de voleur. Oh ouais, putain, c'est un peu de la merdasse quand même ça. 3, 7... Comment je fais pour comparer? Putain, je peux pas comparer avec changer. Non. Mais putain, comment... Mes équipements. Changer catégorie, non. Il faut que je ressorte. Attends, il a combien? 3-7, 3-7, 3-7. Enfin, en gros, c'est un peu du 3-7 partout. Oui, oui, c'est ça. Ouais, bisous. Oh, puis il est meilleur, mon casque, quoi. Tu me vends un peu de la merde aussi, toi. Mais sois sûr qu'elle a... Quelle arme tu le fais? Des gemmes de feu, il n'y en a pas des masses. Ouais.
Ouais, mais je pense que je vais passer un bon bout de temps avec cette hache. Parce que j'ai quand même bien amélioré et tout. Je pense que ouais, je vais faire sur celle-là. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je débloque des émoticônes, je sais même pas comment quoi. Alors. Ah merde! Il vend rien. Waouh, tu sers à rien, mis à part apprendre la pyromancie, c'est pas trop mon truc. J'en sais trop rien. Alors. Tu vas mettre le. Non. Merde. Voilà, là j'aime feu. Ouais, be careful, mon petit gars, be careful. Alors du coup là, elle est bien. On va voir. J'ai hâte de voir ce que ça fait, mais à mon avis, ça risque d'être pas mal du tout ça. Je vais revoir le vieux. Le vieux, le vagina. Révéler la véritable puissance. De la puissance! Vigueur. La vigueur, c'est cool aussi. Allez, la vigueur. Quoique. La dextérité, je dirais peut-être plus. Voilà, la dextérité. Voilà. Be safe, champion of Ash. Oui. Voilà, c'est bon, on peut repartir. Ça me rappelle, je sais plus quel jeu ça, de revenir à un point de spécifique pour se remettre à niveau, et puis après repartir. Oh, je sais plus, ça me rappelle tellement de jeux en même temps, il y a beaucoup de jeux qui font ça. Bah, sous la falaise, oui. Du coup, sous la falaise. Ah putain, il est déjà 17h13, mon dieu. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. On va voir si je continue ou pas. Enfin, de toute façon, là, je continue un peu, c'est sûr, mais je sais pas, j'en sais rien. Ça me saoule. Y a pas de musique. Allez, camp de mort-vivant. Bon, on va ressortir par là. Il y a toujours le gros avec son pot de fleurs, hein. Ouais. Oh là là, je suis bloqué par quoi? Ah ok. Bon, lui, il fait rien. Il y a un chien. Un autre chien, un mec. Il semblait avoir vu une espèce de sorcier là. En fait, non. Ah bah si, il est là. Bon, il se barre. Toi, par contre, toi, je vais t'avoir. Comme ça. Ah oui, il est en feu direct, quoi. Et là, on peut aller là-bas. Hein. Oh la merde. Ah, ça fait des dégâts de feu direct, quoi. C'est excellent. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est des rats? Mais je me fais niquer par des rats. Oh, oh. Mais j'ai même pas le temps d'en placer une. C'est quoi cette connerie? Dégage!
Il y avait un problème ou quoi là? Est-ce qu'il y avait un bug? Je sais pas, c'était bizarre, putain, j'ai même pas pu en... Je pouvais pas placer un coup. Bonne chance, rien de plus. Est-ce qu'il va y avoir un espèce de gros rat, non? Une ceste? Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un gros brouillard de ouf là. C'est verrouillé. Ah, j'en étais sûr. J'en étais tellement sûr de ce espèce de gros rat. Oh la vache. Oui. Bon, ça va, il est pas dur. Franchement, putain. Il est plus facile que cette petite merde. Mais non, mais c'est incroyable ça. Anneau morsure sanglante. Putain, c'est rat de merde. Alors, qu'est-ce que c'est que cet anneau? C'est quoi ça? Flamme de pyromancie. Ah. Améliore la résistance au saignement. C'est pas mal ça. Ça pèse rien. Voilà. Ça c'était quoi? Améliore les attaques de feu. Mais détruit la défense. Ouais, non. Le truc où il y a des malus, ça m'intéresse pas. Ah, j'ai oublié d'acheter la lampe torche. J'ai oublié d'acheter la lampe torche au marchand. Ah bah voilà, du coup voilà, on a le raccourci ici. Tant mieux. Et c'est tout. Ok. Alors par où je passe? J'irai peut-être plus par là-bas, je vais revenir. Un petit coup de blonde. Ah, c'est que des monsieur pots là. On peut aller en bas hein, parce que j'ai vu qu'il y avait, voilà, il y avait ça. Bon, à mon avis, il doit y avoir un espèce de boss là-dedans. Une braise. Casse quoi. Il y a un mec qui se bat déjà là. Hein. Donc il se bat pas pour. Contre. Ah, il le jette en fait son pot. Et après il prend sa scie. D'accord, putain, il voulait pas tomber lui. Merde. Il est pas content. Pas content. Ah ouais, non, par contre, si vous mettez à plusieurs, les gars, non. Non, soyez franco. Réglo. Ils sont keblo? Est-ce qu'ils sont keblo? Oh non, ils sont pas keblo. Ils sont pas plus keblo que ça. Vas-y, viens. Vous êtes sérieux, les mecs? Vous venez à deux, là? C'est bon, là-haut. Par contre, je veux pas remonter, moi. Bon, je vais les laisser. Oh putain, bonjour. Ah merde. Bon, au moins t'es mort toi. Est-ce que tu veux bien descendre, s'il te plaît? Sois pas insolent. Allez, viens. Tu as pas donné la main à ton camarade. Peut-être en montant un peu. Bonjour. Ah! J'ai eu peur. C'est bon. Allez, vas-y, viens. Ouais, ils sont pas trop durs. Ils sont vraiment pas durs. J'ai pensé vraiment plus dur que ça.
En fait, c'est surtout leur peau hein, qui lance dans l'espèce de gros vase là. Ça fait assez mal. Alors, du coup, ça j'ai même pas vu tout à l'heure. Bombe incendiaire et pantalon d'ouvrier. On en ramasse des falzards, dis donc. Ah, y'a un autre mec avec son pot. Jette-moi ton pot. Il m'a pas vu ou quoi? Je vais le pousser, hein. Mais tellement pas! Mais tellement pas! Putain! Et lui il a rien quoi! Non! Oh putain, comment je vais faire pour récupérer? Oh, comment je vais faire? Ah non! Ah non! Ah, je suis pas d'accord! Oh putain! Oh non! GG Big Fagger, avec un complètement. Je suis dégoûté quoi, mais un point là. Comment je vais faire pour récupérer son crevé quoi? Il est où là l'espèce de salaud de magicien d'Oz? Où est-ce qu'il est? Il est pas là. Dans tous les cas là, je suis obligé de les niquer. Je t'ai dit de faire la roulade. Je sais pas pourquoi tu l'as pas fait. Comment je peux récupérer mes âmes? Comment je fais quoi? Le jeu te frustre toujours autant, pas vraiment. Tellement. Il frustre tous les jours ce jeu. Je vois pas comment tu peux descendre sans te faire mal. Ou alors il faut une potion, je sais pas. Ça paraît un peu bizarre quand même. Je comprends pas comment. J'ai foutu un coup de pied. Ouais, puis j'ai rattaqué après par la suite, et puis. J'ai pas d'excuses. Comment je peux y accéder? Ah, en dessous là, il y a un passage là. Du coup, il faudrait revenir là. Bon, on va faire gaffe de pas crever. Déjà, on va essayer d'éliminer les ennemis aux alentours, voilà, genre lui là. Ah, viens. Allez, viens. Qu'est-ce qu'il fait? Merde, on a tous les deux loupé. Oh, incroyable, ce combat! Ah non, non, je vais pas retomber dehors. Je vais retomber dehors. Je vais tomber en bas. Oui, je vais retomber dehors, tout à fait. Le mec qui stream est pas du tout bourré. Hein. Vas-y. C'est tellement bien lui. Puis il court hein. Quel connard. Faire comme ça. C'était très bien. Ça y est. Allez. Oh putain, j'avais oublié qu'il y avait ces merdes. Oh putain, ne me dis pas que je vais crever là. Putain, puis s'il y a l'autre groupe. Putain de merde! Mais c'est pas vrai! Putain! C'est de la merde ces gros rats! Je le touche pas, hein. Je le touche pas, tout à l'heure j'essaie de taper. Je le touche pas, c'est pas grave. Ok, c'est bon. On va pas aller plus loin parce que sinon l'autre gros rat il va venir. Je pense que tu peux oublier tes armes, rip. Putain, salaud. Mais non. Il faut avoir un petit peu d'espoir quand même, sinon on est... Ok, il s'est barré. Ah, c'est bon, fais chier, il remonte.
Ah merde, bonjour. Oh mon dieu. Allez, vas-y, il me fait penser à un ennemi dans un jeu vidéo. En même temps, je joue à un jeu vidéo, c'est normal. Non, mais il me fait penser à... dans un jeu de combat. Genre un Tekken ou un Street Fighter, un truc dans le genre, avec son gros vase, là. Qu'est-ce qu'il fait? Tu vas venir, oui? Qu'est-ce qu'il y a? C'est ta planche, là, qui... Bah alors... Ouais, Keblo, hein. Ah non, il est clairement Keblo. Ah, je vais t'avoir! Allez! Et comment tu veux que je fasse là? Tu m'aides pas aussi? Pourquoi il est bloqué? Allez, descends. Allez, mais qu'est-ce que tu veux? Je peux rien faire là, si je monte tu me... Et il se barre? Non, il se... Re... Si maintenant il se casse, non. Il sait pas ce qu'il veut lui. Hein. Putain, toi t'es... Tu sais pas te décider toi. T'es un peu comme moi. Ça y est, il se casse. Ça le casse les couilles, ça y est. C'est bon, on se fout de ma gueule. Sortir, ça sera mieux pour le combat déjà. Bah, il se fout de moi ou quoi? Tu viens ou quoi? Oh! Ah, quand même. Oh, il est là! Mais comment tu peux me toucher sachant que j'ai esquivé? Sachant que j'ai fait une esquive. Putain, espèce de salaud. Il va crever. Non, c'est moi qui vais crever. Putain, c'était à deux doigts. J'arrête de jouer comme ça. Je vais finir par tout perdre mes âmes là. Elles sont juste là en bas. Bon, l'autre là-bas, on va l'oublier. On va absolument chercher nos âmes. Ça doit être par là. Ça, c'est par là. C'est quoi ça? Putain! Ah, il m'a fait peur. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il est parti par là, lui. Mais comment on fait pour y aller? C'est qui, ça? Voyons voir. Putain, cette armure de ouf! Putain, cette arme aussi! Je dirais qu'il a arraché un lampadaire, quoi. Il s'en est servi comme arme. Another one of those unkindled, are you? All you faceless undead, behaving as if you deserve respect. No matter. Heed my words. If you've any sense, you'll go find a coffin to huddle up inside. You, here, in this land of hollows, you're like a frail maiden on the front lines. If like the others, you're fool enough to play the champion. Then go on ahead. Traipse right past the abandoned church. You'll face death. And it won't be pretty. Enough death to leave you broken. Time after time. Yeah. Pas tellement rassurant ce qu'il vient de dire là. Impossible de ce côté, merde. Bah, du coup, je peux pas. Je peux sûrement aller là. C'est l'église abandonnée, c'est ce qu'il me disait, mais bon. Ça a pas l'air d'être très commode hein, comme endroit. Mais moi, je veux juste en fait récupérer mes âmes, c'est pas grand chose. Hein. C'est. C'est quoi ça? Il y a du feu là-bas. Salut Dark Coca, comment ça va? Un truc qui brûle là-bas.
Moi j'aimerais bien récupérer mes âmes. Si je glisse là, je vais tomber, je vais mourir. Comme une bite. Ou alors ça se trouve qu'il faut aller ici pour rentrer. Non. Enfin, quoique. J'essaye de comprendre comment on fait pour y aller, quoi. Je comprends pas trop. Peut-être par là, tiens. Non. Putain, mes âmes, merde, quoi. Ah non, elles sont là. Ah bah ça va. Ah mais non, mais ça va, putain, j'ai eu peur. Bon, du coup, je vais essayer de pas me tromper, là. Enfin, de pas me tromper. Pas faire le con. Vite, vite, vite. Cours, 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 cours. Parce que lui, il a un gros pot. C'est bon. Mais, loque-le, espèce d'enculé. Mais il est où, son pot? Tu l'avais pas jeté? Tu le jettes ou quoi? Ah non, il donne juste un coup comme ça. Putain, je suis passé derrière, waouh. Mais tu me saoules avec ta merde de vase là. Je fais perdre mon temps sur des détritus. Mais qu'est-ce qu'il me fout chier? T'as du bol, ouais, effectivement, j'ai du bol. Hein. Une grande âme. Allez. Qu'est-ce qu'il fait? Il appelle à ses copains et chiens. Essayez gauche. Ouais, oui. Voilà, merci. Culé de joueur. Un crâne élégant encore, mais... Je vois pas trop l'utilité de ce truc. Est-ce que je peux mettre un message, moi aussi? Merde, c'est où? Attends. Ennemi, monstre, il n'y a pas chien. Rota. Sage, champion. Putain, il y en a tellement. Ouais, ennemi, quoi. Écoute. Comme ça, ils sont prévus. Ils sont prévenus. Pas prévus, ça veut rien dire. Être prévu ne veut strictement rien dire dans ce que je voulais dire. C'est bizarre ça. Bon, du coup, lui m'a dit machin. En gros, si je veux, je peux aller là. J'ai pas tellement envie. Parce qu'en plus, on n'a pas tout fait encore. On peut aller aussi là-bas. Hein. C'est tellement grand. Et il y a encore l'autre passage là-bas où le mec il tire ses flèches. Alors qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Dans ces arbres à la Sweeney Todd là. Sleepy Hollow. En même temps ils se ressemblent tellement ces deux films. Enfin, ils se ressemblent. Dans l'époque. Et le style visuel.
Encore une braise, tiens. Ouais, c'est là-bas où le mec il balançait ses flèches. L'escalier est complètement pété. Voilà, je pense que là on va arrêter dans... Oh. Ah non, on peut pas y aller. Attends, si c'est comme l'autre fois. Attends, à poil. Pas y aller. Mais non. Et le pantalon, bah celui-là. Hein. Qu'est-ce qu'il se dit? La panne renferme un foyer de transposition. Qu'est-ce qu'il me raconte? Ennemi droit devant. Vous approchez de l'arbre géant maudit. Impossible de ce côté. D'accord. Déjà comme ça au moins c'est sûr. On peut pas y aller de là. Va falloir se taper l'église ou se taper l'autre côté. L'autre côté, je pense pas. Parce que vu comment on se fait bombarder de flèches, à mon avis, il faut d'abord niquer le mec et ensuite y aller, je pense. J'ai envie de les tuer. J'ai envie de les tuer juste pour qu'ils me ramènent des âmes. À moins que. Parce que là, il me doit pas me manquer beaucoup pour pouvoir augmenter de niveau. À moins que j'ai des choses à vendre, voyons voir. Ah, j'ai ça là. Symbole noir. Emagazine. Les énergies maudites. Qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi ça? Ah, mais c'est une arme ça? C'est de la merde ce truc là. Je vais revendre ça du coup. Hein. Je vais revendre ça avec 2-3 pantalons. Le mec quoi. Puis une bague. Ouais, je pense que ça devrait le faire. Hein. On va juste faire un petit tour vite fait à la porte de l'église, voir qu'est-ce qu'ils en disent. Et on va aller à un feu, au sanctuaire s'augmenter d'un niveau, et hop, j'arrête là. Comme ça, il est moins le quart, c'est parfait. Enfin, il sera moins le quart. Et je reprendrai demain, je crois, peut-être, je sais pas, je verrai. Ou tout sinon dimanche, dans tous les cas. Alors, voyons voir. Ah, on peut y aller. Bon, je pense que c'est par là. Enfin, je préfère en tout cas aller par là. Je préfère aller par là. Quoique, il m'a dit quand même que c'était chaud, quoi. Oula. Qu'est-ce qui s'est passé, là? Ami en vue. Yes. Oh non, putain. Attends, il est méchant? Putain. Oh, cette armure, qu'est-ce que c'est que ça? On dirait bonhomme Michelin. Oui. Oh, pardon me, I was absorbed in thought. I am Siegvert of Katarina. To be honest, I'm in a bit of a pickle. Have you ever walked near a white birch, only to be struck by a great arrow? Well, if I'm not mistaken, they come from this tower. Eh, c'est ça, oui, exactement. Whoever it is, I'm sure I can talk some sense into them. But I have to find a way up. And that's just the trouble. This lift only goes down, you see, and... Well, that doesn't get me anywhere.
This lift only goes down with a little warming up. Qu'en m'échauffant un eventually, peu, peut-être, non, en fait, I've got to use my head and think. Un peu de ta tête. Mm. Pourquoi j'ai pas trop compris. Lui il va vers le bas, mais après il y en a un autre qui monte, non? Voilà, lui là. Et du coup, après tu as appuyé, puis tu montes quoi. Oh, t'es un peu con quand même, hein, là mon gars. Du coup, il y a deux chemins. Il y a le chemin vers le haut et le chemin vers le bas. Intéressant ce que je viens de dire, hein. Vous remarquerez. Bon, allez, on va se rentrer. Et on verra ça une prochaine fois. Je pense qu'on fera d'abord le bas et après le haut, parce que je pense que le haut, ce sera voilà, de niquer cet archer géant là. On le voit même pas d'ailleurs. Je suis trop près. Allez. Tout à fait. Ah bah voilà, comme ça en plus j'ai trouvé la solution directe. Donc toi c'est magnifique. Bah non, on va pas passer par là parce que là il y a un rat. Elle est un peu chiante cette zone quand même là pour aller retourner au feu. C'est un petit peu relou. Je pourrais utiliser un os de retour mais bon. Ouais ouais, franchement non. Comment j'avais fait déjà? Putain, j'en souviens plus à chaque fois. Ah oui, il faut sauter par le pont. J'ai un raccourci, mais bon, le raccourci, il y a des rats, quoi. Il y a une espèce de gros rat de ouf. Bonjour. Ouais, la crève. Et que je te revois pas. Voilà. Ah merde, putain, j'ai complètement zappé ce mec là. Du coup, j'avais même pas tué quoi. Sauf que je vais crever là comme une grosse bouse. Bon, c'est pas possible. Et ici, il y avait rien. Non, il y avait rien. Allez, on retourne là et on va se laisser là-bas. Bandeau du vieux sage. Oh. Ah. Alors est-ce que Welcome je peux home, speak. Bien vu, very bonjour. Donne-moi la main. Merde, il manque 200 âmes, mais c'est pas grave, je vais les avoir vite fait, bien fait. Il faut juste que je lui vende, Putain, il faut que j'arrête de parler comme ça, hein. C'est incroyable. Hein. On dirait vraiment un CAT, quoi. Ouais, je vais vendre ça. Je vais lui vendre quelques pantalons. De 30, de 50. Ouais, je vais vendre ceux-là, tu vois. Deux pantalons. Et cette là, cette bague aussi, parce que je m'en fous un peu. Voilà. Ashen One. B. Welcome home, speak. Very well. Niveau supérieur. Then touch Hignor. Vitalité, endurance, force, vigueur, je pense qu'on va faire l'endurance. Ça augmente rien au niveau feu. La vigueur, c'est pareil, force, ça augmente quand même avec le feu, hein. J'ai tellement envie de faire la force quoi, j'ai tellement envie d'être pété.
Parce que... Pff, je suis à 17. De toute façon, moi, ce qui va m'intéresser, ça va être la dextérité, la force, la vigueur un petit peu, mais pas beaucoup. L'endurance et la vitalité. La vitalité, pour l'instant, j'en ressens pas vraiment le besoin. Passe à combien? 638 à 80 quand même. L'endurance, j'en sens vraiment pas le besoin pour le moment, l'endurance. Ouais, je vais faire la force. Une dernière fois, voilà. J'ai fait beaucoup trop la force hein, sur cette partie-là. J'ai amélioré au moins 3 fois la force. Hein. Ouais. Est-ce que je peux... Alors, est-ce que je peux... Toi, est-ce que tu peux me redonner un niveau ou pas? Je sais pas vraiment comment tu marches. Bonjour. Oh, it's you. Oui, t'inquiète pas. Ah mais c'est lui. Je me disais, mais qui c'est qui tape? J'avais complètement oublié ce vieux fou. Ok. Je sais pas combien d'heures de jeu et j'ai toujours mon skin de base. Hein. C'est hallucinant. Bon, on va se laisser là. Putain, je suis à 11 heures de jeu, quoi, et je suis toujours avec mes équipements de base, quoi, sauf mon bouclier et... Enfin, si, non, sauf ma hache, c'est tout. Donc, bon, je vous laisse, je vous fais des bisous, merci d'avoir regardé. Et puis, bah, à la prochaine, sûrement demain ou après-demain, je verrai. Enfin, voilà, bisous à tous, ciao, et à la prochaine. Des zibous. Sauvegarder la partie et revenir avec grand titre. Mais oui. Allez, zou, je m'en vais. Des bisous, Karzal. Putain, j'ai du mal. Au revoir, Darko Cas, Quig. Et YouTube.